Et nous allons prendre les Écritures. Ainsi, cet esprit. Psaume chapitre 24. Nous allons lire le psaume chapitre 24. Le texte que nous avons lu, toujours dans cette même atmosphère, les bérets saints là-bas. Celui qui sent de prier, qu'il prie. Comme on a dit, ce jour aussi particulier pour nous qui sommes ici. Chata, psaume chapitre, tu sens de prier, reste en prière. Les béras. Andeshata. Yes. Ah, j'aime ta présence. Opère un déclic dans nos vies. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. La Bible dit qu'à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé, en parlant de la terre, il a fondé la terre sur les mers et il l'a affermi sur les fleuves. La présence de Dieu est très forte en ce lieu. Ah la chata. Au verset 3, David nous pose la question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Dans d'autres versions, on dit qui pourra monter à la colline de l'Éternel. C'est la même chose. Et la deuxième question, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Amen. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Pour vous aider à comprendre, dans une autre version, c'est dit, qui se tiendra dans son lieu saint? Amen. L'esprit qui est derrière ce s'élever là, on peut ne pas comprendre. C'est au fait, qui se tiendra dans son lieu saint? Je prie que la main de Dieu ne te lâche pas cette saison au nom de Jésus. Kalashaya. Mandelekata. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Amen. Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5, il, en parlant de cette personne, obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Donc celui qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel, c'est celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et c'est celui qui pourra se tenir à la montagne de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? C'est cette personne qui va obtenir la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Telle sera la génération, dis-moi bon amen. Telle sera la génération de ceux qui le cherchent et de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Tel sera le partage de la génération qui le cherche. Et c'est là que nous avons introduit cette série. L'art de chercher Dieu. Dis avec moi, l'art de chercher Dieu. L'art de chercher Dieu. Donc, il y a une génération que Dieu souhaite qu'il fasse quelque chose. Je souhaite qu'une génération, un peuple, un groupe de personnes se démarque par quelque chose. Se démarque par leur capacité à chercher Dieu. Il dit, ceux qui cherchent ta face. C'est de là vient le titre de cette série. Chercher Dieu. Dis avec moi, chercher Dieu. Amen. Et je disais que c'est une chose de chercher les choses que Dieu donne. Et c'est une autre chose de chercher Dieu pour ce qu'il est.
pour sa présence, pour sa personne, pour sa nature. Amen. C'est une chose de chercher ce dont la personne peut me faire bénéficier, mais c'est une autre chose de chercher la compagnie d'une personne. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, chercher la face de Dieu. On nous a appris à prier, mais on ne nous a pas appris à chercher Dieu. Parce que prier peut être différent dans certains points de l'art de chercher Dieu. Et il nous assure quel sera le partage de ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent sa face. C'est ceux-là qui vont hériter la bénédiction de l'Éternel. Celles qui ne souffrent d'aucun chagrin. Makalabashaya. Dis-moi bon amen. Lekesinta la kirasi shakata la baya. Lève la main avec moi. Lekesinte bareko berisaki kabra de lebeshaya. Dis-moi bon amen. Donc, une génération. Dieu souhaite quelque chose pour une génération, pour notre génération, c'est de le chercher. Et je disais qu'on nous a appris parfois à prier, mais on ne nous a pas appris à chercher Dieu. Parce que chercher Dieu est bien plus qu'une histoire de prier. Chercher Dieu, c'est une quête de sa personne. C'est-à-dire, je peux être chrétien, mais ce Dieu ne peut s'être encore révélé à moi. On va prendre l'histoire de Jacob. Jacob qui est le plus honnête de ses frères, qui est le plus juste de ses frères, celui qui trouve grâce auprès de sa mère, celui qui est béni même par l'acte de sa mère et qui est visité par les paroles de son père Isaac. Mais lorsque Jacob sort de le cocon familial, Jacob sort avec les promesses et les paroles de bénédiction de son père. Jacob sort et il dort dans un lieu. Et en dormant dans ce lieu, la Bible dit que il voit une échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient. Il a eu la révélation du Dieu de son père, qui lui-même est une révélation du Dieu de son grand-père. Amen. Mais Jacob continue son chemin. Ce jour-là, il fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes de quoi avoir des vêtements. Si vous lisez bien, Jacob a demandé, si tu me donnes des vêtements, si tu me donnes, on va retrouver ce passage pour que vous compreniez l'esprit de ce que je suis en train de dire. C'est dans Genèse. Kalabashekete. Si quelqu'un a vite trouvé, on va lire. Ma kalabashekete. Jacob béni par son père. À partir du verset chapitre Leketele Beshant Alabaha 28, chapitre 28, Mekantalaba. C'est là qu'il fait Mekantalabashe. Chapitre 28 au verset 20. Chapitre 28 au verset 20. Donc quand Dieu se révèle à Jacob, écoutez la prière de Jacob. Écoutez la prière de Jacob. Jacob fit un vœu au verset 20, chapitre 28. En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, c'est-à-dire que la seule chose qu'il demande, que Dieu le garde pendant son voyage, parce qu'il fuyait, il allait dans la maison de son des parents de sa mère. Si Dieu me garde durant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain, amen. Il demande que Dieu le garde durant ce voyage. Il demande que Dieu lui donne du pain. Vous me comprenez? S'il me donne du pain à manger. Donc le voyage, la nourriture étaient les prières de Jacob, amen, et des habits pour me vêtir. C'est-à-dire que la première chose qu'il a eue quand Dieu l'a rencontré, c'est si tu me gardes durant ce voyage, c'est si tu me donnes du pain pour manger, c'est si tu me donnes des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est la première révélation de Dieu avec Jacob. Tout ce qu'il a demandé, donne-moi des gardes durant mon voyage. Donne-moi de quoi subvenir à mes besoins nutritionnels. Donne-moi de rentrer en paix dans la maison de mon père.
donne-moi d'avoir des habits pour me vêtir. Amen. Ça, c'est ça que j'appelle les prières. Ça, ce n'est pas encore chercher Dieu. Quelqu'un peut être dans la chrétienté et tout ce qu'il sait faire, c'est faire ce genre de prière. Ce n'est pas mauvais, mais il y a un niveau supérieur à ce genre de prière. Quelqu'un me comprend? Parce que tu peux faire ce genre de prière et Dieu va te les accorder. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'est révélé à toi. Ça ne veut pas dire que son parfum est sur toi. Ça ne veut pas dire que tu le côtoies. Ça ne veut pas dire que toi et lui vous êtes dans la même demeure. Ça ne veut pas dire que ta vie aura forcément réussi. Et n'y a-t-il pas des gens qui mangent sur la terre? Est-ce que c'est pour autant qu'ils réussissent? Non! Y a-t-il pas des gens qui ont... comme on appelle ça, que le passeport américain. Oui, mais est-ce que c'est pour autant qu'ils réussissent? Non. Donc je peux manger, je peux avoir des habits pour me vêtir, je peux faire un très bon voyage, mais ça ne garantit pas ma réussite sur la terre. Parce que c'est après qu'on se rend compte que ce que nous étions en train de demander là ne sont pas des conditions d'une réussite. C'est des conditions éphémères. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand on a démarré la chrétienté, souvent notre niveau de compréhension n'est pas assez élevé. Donc ce que nous demandons à Dieu ce que quelqu'un même peut avoir et ne pas réussir. Quelqu'un peut avoir de beaux vêtements et ne pas réussir. Quelqu'un peut manger tous les jours et ne pas réussir. Quelqu'un peut être bien dans sa vie, en paix dans sa maison et ne pas réussir. La réussite est bien plus que ces choses. Mais regardez quel était le niveau de ces sujets de prière. C'est normal. Quand on est enfant, on demande comme un enfant. On prie comme un enfant. Mais maintenant, on va continuer l'histoire de Jacob. Ceux qui connaissent bien l'histoire de Jacob. Jacob a prospéré. Il a fait 20 ans chez Laban, chez son beau-père. Jacob s'est marié. Jacob a eu des enfants. Jacob, en sortant, a pu avoir un bétail. Vous me comprenez? On va lire ce texte. Kalabashaya. On va aller plus loin. Je veux qu'on lise la partie où Jacob sort de chez Laban avec le décompte de tout ce qu'il a eu en quittant chez Jacob. Entre le chapitre 30 et le chapitre 31. Lis Santa là-bas. Si quelqu'un a retrouvé ce passage, il nous le dira. Avant qu'on puisse trouver ce passage, on va lire chapitre 32 à partir du verset 24. Chapitre 32 à partir du verset 24. Amen. Quelqu'un peut lire avec nous? Il n'y a personne pour lire? Santa la Bahas. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Donc cet homme qui se bagarrait avec Jacob dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Est-ce que quelqu'un d'autre a retrouvé mon autre passage pendant que je donne les serviteurs? Amen. Il dit,
tu ne me laisserais point aller. Je ne te laisserai point aller afin que tu m'aies béni. Mais quand on regarde Jacob, Jacob, au départ, tu n'as pas dit que tu voulais un voyage. Au départ, tu n'as pas dit que tu voulais que tu aies des habits. Au départ, tu n'as pas dit que tu puisses trouver la paix dans ta maison. Mais il s'est marié. Et il demande à une représentation de l'Éternel qui est cet homme-là. Je ne te laisserai pas aller afin que tu m'aies béni. Amen. Donc, c'est que ce que Jacob demande est différent de ce qu'il possède. C'est que ce que Jacob a n'est pas la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Parce que dans le stade de Jacob, ah, je veux que quelqu'un me retrouve vite ce passage. C'est vraiment le cheptel. Pour que vous compreniez que l'homme qui est en train de demander la bénédiction, je vous dis ce qu'il a dans son compte bancaire. Le passage du cheptel de Jacob, où on dénombre son cheptel, où on va faire les statistiques de ce qu'il y a dans son compte bancaire, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il y a et que cette personne demande encore la bénédiction. Normalement, la bénédiction, on aurait cru que c'est pour quelqu'un qui est pauvre. Jacob avait des ânes, Jacob avait des bœufs, Jacob avait des femmes, Jacob avait des enfants, Jacob avait des troupeaux. Et Jacob demande la bénédiction. C'est que la bénédiction est différente de ces choses. Et la bénédiction, ce n'est pas en priant, c'est en cherchant la face de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je peux être exaucé dans quelque chose que je prie. C'est différent de chercher la face de Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien, la plupart des chrétiens qui se contentent des miettes qui tombent à la table de Dieu, ils vont rentrer dans une boucle où à chaque fois, quand ça sera un moment où ils ont un défi, ils vont se dire que je dois encore faire des prières, je dois encore faire des prières, je dois encore aller faire des prières. Il y a un niveau où tu n'attends pas d'être dans le manque pour prier Dieu. Je suis tellement avec Dieu que Dieu anticipe même mon manque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Tellement tu es proche de Dieu que les choses que Dieu a prévues pour toi, Dieu les anticipe même dans ta vie. C'est-à-dire, c'est un niveau où Dieu pourvoit à tes besoins au-delà même de toute mesure et de toute pensée. Voici un exemple. La plupart, la majeure partie des chrétiens, on aime attendre qu'un événement arrive et que nous prions. Qu'un événement arrive et que nous prions. Qu'un événement arrive et que nous prions. Au fait, j'ai un retard. Quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'il attend d'avoir un événement pour qu'il se mette à prier. Ah, je dois aller en jeûne, je dois aller manger. Au fait, il est en retard. Il ne sait pas que la prière, c'est de dévancer les choses. Ce n'est pas de rectifier. Donc, s'il passe sa vie en train de corriger, à quel moment maintenant il fait ce que Dieu lui a dit de faire? S'il passe, s'il savait que la prière lui permettait d'aller en avance et d'anticiper. La prière est faite pour anticiper, pas pour régler seulement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous imaginez quelqu'un qui cherche Dieu et tu attends qu'on t'ait volé quelque chose sur ton compte bancaire pour dire que j'allais faire prière de récupération. Tu entends que seulement, ça existe ce genre de prière. Mais imagine quelqu'un qui fait toute sa vie de avec Dieu que comme ça. Il attend de subir pour agir, de subir pour agir, de subir pour agir. Donc cette personne-là, c'est elle qui est dominée. Elle n'est pas en train de dominer, elle est dominée. Parce qu'il faut être dominé pour subir, pour rectifier. Mais il y a un niveau où tu es avec Dieu. Tu as déjà dévancé, tu es déjà prêt avant même que l'événement arrive. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es déjà prêt avant même que l'événement arrive. Tu as déjà anticipé dans l'esprit. Il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel est un lieu spirituel où il faut y aller. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un environnement spirituel. C'est un éden spirituel. Mais ça se trouve dans une dimension spirituelle. Et il faut que celui qui désire y aller
sincères et sache que ce n'est pas une marche facile. Quelqu'un me comprend? On va encore lire encore un autre texte, Exode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, l'art de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. C'est le niveau le plus ultime dans la marche avec Dieu. Ça n'a pas besoin d'attendre qu'un événement arrive. Je le cesse parce que je me rends compte que si je n'entre pas dans sa dimension, je n'accomplis pas ma destinée. Si je n'entre pas dans sa dimension, ma vie n'aura pas d'impact. Je vous pose la question. Pourquoi souvent on peut donner le nom? C'est quelqu'un qui disait ça. Pourquoi on peut souvent donner le nom à quelqu'un David? Est-ce que c'est parce qu'on a connu David? Est-ce que c'est parce que même le mot David est chic? Je vous pose la question. Pourquoi on pourrait donner à un enfant le nom David? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a vu David? Non. Pourquoi? C'est à cause du genre d'impact que lui et Dieu ont eu. Le genre d'impact que Dieu a eu dans sa vie. Son visage, on n'en a jamais vu. Mais son nom, on le donne à cause de ce que Dieu a eu comme impact dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a marché avec Dieu jusqu'à ce que son nom devienne une référence dans l'esprit. Et que son nom peut servir d'un autre nom à d'autres personnes à cause du genre de marche qu'il a eu avec Dieu. C'est que quelqu'un a laissé son nom dans l'esprit. Quelqu'un a laissé son nom. Dis à ton voisin. Ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux qui ont un nom dans le monde spirituel. Parce qu'on peut avoir un nom sur la terre, c'est différent d'avoir un nom dans le monde spirituel. C'est différent d'être reconnu par Dieu dans le monde spirituel. C'est différent d'être reconnu comme quelqu'un qui a porté la divinité en lui. Chercher la face de Dieu, c'est quand tu te rends compte que Dieu seul peut tout et qu'il n'y a rien d'autre comme alternative. Chercher la face de Dieu, c'est quand tu te rends compte que si je ne rencontre pas Dieu, je ne pèse pas dans ma vie. Sinon, on peut rester chrétien 20 ans avec la même vie. La même vie et la même prophétie qui reste suspendue. Est-ce que vous savez qu'une prophétie peut être suspendue sur quelqu'un? C'est son troisième petit-fils qui va venir l'accomplir parce que le troisième petit-fils a compris ce que Dieu attendait de lui et a fait ce que lui, Dieu lui demandait. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même la prophétie de Dieu là, elle attend que je me lève. Que je prenne mes responsabilités. J'ai dit Exode chapitre 23. Elle attend que je monte. Les seuls qui sont contraints dans le temps, c'est nous. Hein? Dieu n'a pas de montre. Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui vieillissons et c'est nous qui prenons de l'âge. Dieu ne prend pas d'âge. Que Dieu nous donne l'esprit de le chercher. Que Dieu nous donne l'esprit de le chercher. Est-ce que tu peux faire cette prière une minute avec moi? Accorde-moi la grâce de te chercher. Accorde-moi la grâce de te chercher. Juste une minute, prie. Accorde-moi la grâce de te chercher. Accorde-moi la grâce de te chercher. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est katalaba. Intelebéris intalabashe.
Je n'entends pas ta prière. C'est une grâce de le chercher. C'est une grâce de le chercher. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, à partir du verset 9. Quelqu'un pour nous faire la lecture? Accorde-nous la grâce de te chercher. Chercher ta face. Avant qu'il puisse lire, c'est quand le jour Jacob s'est dit qu'il faut que je cesse la face de Dieu. C'est ce jour-là que son nom a changé. Jacob avait été visité matériellement, financièrement, socialement. Mais Jacob n'avait pas eu le nom changé. Il n'y avait pas eu une telle révélation de Dieu jusqu'à ce que son nom change. C'est-à-dire que tu vas rencontrer Dieu. Tu ne sors pas avec l'argent, tu sors avec un nom sur ta vie. Est-ce que vous savez de Jacob, la seule chose qui est restée jusqu'à aujourd'hui, c'est le nom que Dieu lui a donné. Jusqu'à aujourd'hui, une nation porte ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, le nom d'une révélation de la face de Dieu. Le nom qui vient d'une quête de Dieu. Pour avoir ce nom, Jacob est sorti de la présence de Dieu en boitant de la hanche. Ça veut dire que pour chercher Dieu, il y a des choses que je dois perdre. Ça veut dire que pour chercher Dieu, il y a des choses que Dieu peut briser en moi. Ça veut dire que pour chercher Dieu, je dois accepter d'être bizarre pour les gens du monde. Ça veut dire que pour chercher Dieu, ça sera au prix de ma vie. Parce qu'il a dit, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. L'ange a dû lui taper la hanche. C'est-à-dire que si quelqu'un ne cherche, si nous ne cherchons pas à un point que ce n'est pas une question de vie ou de mort, le changement ne vient pas. Quand c'est encore comme si nous blaguons, ça n'a pas encore commencé. Quand c'est encore... Vous connaissez un peu l'état de votre cœur quand vous êtes en train de chercher un travail. Tout le monde a déjà cherché un travail, fait un entretien. Dieu connaît nos cœurs. Regarde comment tu peux te comporter pour aller chercher un travail. Regarde comment tu peux te comporter pour arranger ta tenue pour un travail. Regarde comment on peut se comporter par rapport à l'heure et au réveil pour un travail. Regardez comment on peut organiser et prévenir d'avance les événements pour un travail. Au fait, il y a une chose qu'on ne peut pas blaguer avec Dieu, c'est le cœur. Si Dieu voit que quelqu'un le cherche et qu'il cherche autre chose plus que la manière de chercher Dieu, Dieu sait que la personne ne le cherche pas de tout son cœur. Quelqu'un peut entendre prier, Seigneur, je te cherche. Mais Dieu regarde au cœur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde quand tu es passionné de quelque chose. Regarde comment tu es. Et puis regarde quand tu cherches Dieu. Quand tu le mets sur la balance. Est-ce que la manière de chercher Dieu dépasse les passions que je peux avoir? C'est ça, tu dois l'aimer de tout ton... C'est-à-dire que la manière, ça doit remplir mon cœur. Et c'est là que nous nous rendons compte que ce n'est pas quelque chose qui est inné ou qui est statique. C'est là que j'ai tellement pitié de ma vie et que je me dis, comment je pourrais chercher Dieu et l'aimer plus que tout? C'est alors même je le supplie, donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce et la miséricorde de te chercher de tout mon cœur. Parce que je me rends compte que même pour commencer, je ne peux pas. Je me rends compte que même pour commencer, je suis déjà disqualifié. Tout mon cœur, vous savez c'est quoi tout le cœur? S'il dit tout le cœur, c'est tout le cœur. Si ce n'est pas l'unique chose, ce n'est pas encore tout le cœur.
Ça peut faire 20 ans dans la vie de quelqu'un jusqu'à ce que ça devienne tout le cœur. Comment ça peut commencer aujourd'hui et ça peut être tout le cœur dans la vie de quelqu'un? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un va cotiser les années dans la vie chrétienne que sa vie va changer. Quelqu'un peut faire 50 ans de vie chrétienne. Même un chien, il n'influence pas. Même un chien ne sera pas influencé par lui. C'est ceux qui vivent Dieu qui influencent le monde. Quelqu'un peut être dans la meilleure église. S'il ne cherche pas Dieu autant que le leader cherche Dieu, il va être dans la plus grande église et très loin de l'impact de Dieu. Il va même être une honte pour son église. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tiens le voisin, allons de l'autre bord. Nous voulons être comme Jacob ou nous voulons être Israël? C'est Israël qui impacte le monde. C'est Israël qui change la destinée. Je ne veux pas être un chrétien Jacob. J'ai des enfants. J'ai un travail. Mais on ne voit pas Dieu. 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 Quelqu'un pouvait dire, on n'a pas deux vies. On n'a qu'une seule vie. Ce n'est pas deux vies. Est-ce que nous pouvons cesser Dieu un point que c'est une question de vie ou de mort? Je tiens tellement à Dieu que je dis que si je ne te rencontre pas, alors supprime-moi. Alors enlève-moi. Alors rappelle-moi à toi. Parce que ça sert à quoi de vivre sans toi? Ça sert à quoi de vivre sans toi? Tu gémis au-dedans de toi. Tu souffres les douleurs de l'enfantement. Tu perds l'appétit pour Dieu. Tu perds le confort pour Dieu. Tu perds la soif pour Dieu. Tu perds la notion même du temps pour Dieu. En réalité, être serviteur de Dieu, c'est être esclave de Dieu. Je suis tellement à toi que je n'appartiens qu'à toi. Ma vie t'est offerte comme un sacrifice. Je suis sacrifié à toi. Emmène ma vie dans cette dimension où je renonce à moi-même, où je sors de mon confort, où je sors de ma vie personnelle. Personne ne peut être égocentrique et chercher Dieu. Ça n'existe pas. Personne ne peut aimer sa vie et aimer Dieu en même temps. Ça ne marche pas. Il dit que celui qui aime sa vie la perdra. Quoi qu'il advienne, on perd la vie. Mais ça dépend dans quel bon sens je le perds. Est-ce que je le perds pour Dieu ou est-ce que je le perds pour l'enfer? Vas-y, fais la lecture. Chapitre 24, verset 9. Vous voyez, Moïse monta avec eux. Donc, Moïse et Aaron sont montés à la montagne avec 70 anciens. Aujourd'hui, la majeure partie des chrétiens veut rester à terre. Veut rester en bas. Et ils veulent que seulement Moïse monte. Mais ce jour-là, Moïse est parti avec 70 anciens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter à la montagne du Seigneur? Continue. Il vit le Dieu d'Israël. Ceux qui montent, c'est ceux qui voient Dieu.
ils ont vu le Dieu d'Israël sous ses pieds. Ils ont décrit même ce qui était sous les pieds de Dieu. Une œuvre en saphir transparent. Comment quelqu'un peut avoir telle expérience s'il n'est pas monté vers Dieu? Wow. Quelqu'un peut connaître les versets. Quelqu'un peut connaître la théologie. Quelqu'un peut faire l'école biblique. Quelqu'un peut faire toute la doctrine. Mais ce n'est pas la doctrine qui change la vie des gens. Ce n'est pas la théologie qui change la vie des gens. Ce n'est pas le condensé des versets que je récite qui change la vie des gens. C'est les rencontres que je fais dans le surnaturel avec Dieu qui changent ma vie. Tiens, ton voisin, quel genre de rencontre as-tu avec Dieu? Tu ne deviens que l'objet de tes rencontres. Si j'ai pris un verset, je n'ai pas rencontré Dieu au travers de ce verset, ma vie n'a pas encore d'impact. Dans l'art de chercher Dieu, c'est l'art des rencontres. Ils ont rencontré Dieu, ils ont pu décrire ce qu'il y avait sous ses pieds. Ce sont les genres de rencontres que je fais qui déterminent la gloire qui déteint sur moi. Dis à ton voisin, à quand date ta dernière rencontre avec Dieu? À quand date nos rencontres avec Dieu? Quelqu'un peut prier, mais ne l'a pas encore rencontré. Tu peux faire une lettre aujourd'hui si tu veux, en écrivant au président de la République, mais le rencontrer, c'est deux choses différentes. Tout de suite, on peut écrire le lendemain à la poste, ça va aller à l'Élysée, n'est-ce pas? Hein? Nous pouvons émettre des prières au ciel. C'est notre droit. Mais rencontrer Dieu, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à qui le veut seulement. Amen. Vous voyez, de la même manière qu'on ne peut pas rencontrer le président. De la même manière qu'il est facile de l'écrire, mais de le rencontrer. C'est ça, j'appelle prier Dieu et rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu as des expériences avec Dieu. Et tes expériences changent ta vie et ta destinée. Continue. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu. Et ils mangeaient et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Vous voyez encore à chaque fois, monte vers moi sur la montagne. Et reste-y. Et reste-y. On peut s'arrêter là. Il dit, monte vers moi sur la montagne et reste-y. La question du psaume 24, c'est qui pourra monter et qui pourra se tenir? Donc, c'est une chose de monter, c'est une chose de rester. Tiens, ton voisin, Dieu se trouve dans une dimension. Quand nous le cherchons dans la prière, nous sommes en train de monter. Souvent même, beaucoup montent. Mais il vient encore d'ouvrir mes yeux en disant, reste, reste là. Je monte, mais je dois rester. Je dois me tenir. Et je vous dis, c'est le plus dur de se tenir dans la présence. Pendant des minutes et des minutes dans la présence de Dieu. Continue. Verset 12. Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre. Donc quand tu restes, Dieu te donne des choses. Je te donnerai la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseignements. Dieu te révèle des choses. Je te donne des choses. Dieu nous communique des choses. Continue. Moïse se leva. Avec son assistant Josué,
commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, attendez-nous ici. Dis à ton voisin, tu veux monter ou tu veux attendre ici? Dis à ton voisin, est-ce que tu veux monter ou tu veux attendre ici? Je ne t'entends pas, tu veux monter ou tu veux t'attendre ici? Dis Seigneur, je veux monter. Seigneur, je veux monter. Je ne t'entends pas, Seigneur, je veux monter. Je veux monter. Oui, c'est un désir. Continue. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. À partir du verset 15, ça va nous intéresser. Moïse monta sur là. Et continue. Qui fut recouverte par la nuit. Voici une expérience particulière. Quand Moïse est monté, la Bible dit que elle fut recouverte par la nuée. Donc il y a des genres de choses qui viennent recouvrir les chrétiens qui montent. C'est la montagne qui fut recouverte par la nuée. Et continue. Verset 16. Et la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Vous voyez, la gloire de l'Éternel n'a pas reposé en bas. C'est sur la montagne que la gloire est venue se reposer. Parce que Moïse était monté et Dieu est venu le rencontrer. Donc il y a un lieu de rencontre. La montagne, c'est un lieu de rencontre divin. C'est un lieu, c'est un endroit sur le plan spirituel. Quelqu'un me comprend? Donc quand nous sommes en train de prier, si nous ne savons pas que nous sommes en train de aller, nous, le but c'est d'aller dans un endroit. Et c'est dans cet endroit-là que la gloire de Dieu se couvre. Si nous croyons que nous sommes venus faire un exercice. Ah, je suis venu faire mon exercice de prière. Si la prière est un exercice, on ne rencontre pas Dieu. Mais si la prière est une manière de gravir les échelons. Nous tous, on est très forts en exercice de prière. Mais ce n'est pas un exercice qui fait rencontrer Dieu. C'est une quête. C'est une soif. Dieu se trouve dans un endroit. Dis avec moi, Dieu se trouve dans un endroit. La gloire de Dieu se trouve dans un lieu surnaturel. Et il faut y entrer. Donc le but de la prière, c'est d'entrer dans le lieu où se trouve la gloire de Dieu. Qui a dit que c'était pour que Dieu me donne des choses seulement? Je comprends que c'était le moyen utilisé par Dieu pour me changer. C'est le moyen utilisé par Dieu pour faire descendre sa gloire. C'est la, comme quelqu'un pouvait dire, c'est la seule méthode que Dieu a trouvée pour rencontrer les humains. C'est la seule méthode. C'est la stratégie que Dieu a mis en place pour visiter l'humain par le divin. C'est un chemin. C'est un cheminement. Et je disais dimanche dernier, celui qui croit que c'est juste comme une corvée, ah, j'ai fini mes 20 minutes de prière, j'ai fini mes 1 heure de prière, et puis il est content. On a tous fait ça, on est content. Ah, je suis content. Est-ce qu'il y a une gloire qui est descendue? À quel moment on va dire, la prière ne s'arrêtera que quand ta gloire viendra dans le lieu où je suis? Vous savez, si Dieu ne te rencontre pas dans ta chambre, je ne sais pas où il va te rencontrer. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas à rencontrer Dieu dans ton lieu secret, je ne sais pas où tu veux qu'il te rencontre encore. Parce que c'est l'endroit le plus fréquent des rencontres, notre lieu de prière. C'est l'endroit le plus fréquent. Moïse était avec Israël. Mais pour que Dieu fasse sa gloire à Moïse, Dieu lui a dit, quitte ici et monte vers là. Je vous dis, ce n'est pas facile. Celui qui croit que c'est facile, il se blague.
ça demande beaucoup d'efforts sur nous. Dans tous les cas, il y a un sacrifice. Dans tous les cas, on payera un prix quelque part. Personne ne cherche Dieu sans connaître les douleurs. Vous savez, c'est quoi monter pendant que la pesanteur est là? Continue. Et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour. Oui. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Donc pendant 6 jours, Moïse n'a pas entendu Dieu parler. Quelqu'un peut être en train de prier pendant 6 jours. C'est la nuée seulement qui l'environne. Et Dieu n'a encore rien dit. C'est au 7e jour que la voix de Dieu s'est fait entendre. Le but de la prière, c'est que Dieu me parle. Le but de la prière, c'est que Dieu se révèle à moi. Pose la question à ton voisin. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Je n'ai pas dit sensation. C'était une révélation. Une révélation. Ici, dans le cas de Moïse, c'est au 7e jour, dans sa quête de Dieu, que Dieu lui a parlé. Donc, ça veut dire que tu peux être en train de prier, Dieu ne dit rien du tout. Et si tu ne sais pas que tu es en train d'attendre Dieu, tu peux être en train de prier le 2e jour, Dieu ne dit rien. Tu peux être en train de chercher Dieu le 3e jour, il n'y a encore rien. C'est que sa nuée et sa gloire qui environnent. Souvent, c'est le moment où Dieu veut parler que peut-être même on arrête la prière. Tiens-toi debout. Que Dieu nous donne cet esprit d'aller vers lui. Cet esprit d'aller vers lui. Si ce n'est pas un ardent désir, on va s'arrêter seulement jusqu'à des miettes. Moi, je le dis devant la chair, je refuse d'être un chrétien transparent sur la terre. Je refuse d'être un parleur. Je veux vivre la gloire de Dieu. Mais ça ne se chante pas seulement. Chaque fois, on peut être en train de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait. Quelqu'un peut passer toute sa vie et dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait. 10 ans passent, Seigneur, pardonne-moi. Ça ne veut pas dire que les desseins de Dieu vont se révéler. Dieu va te pardonner, mais ces desseins ne se révéleront pas. Est-ce que Dieu peut trouver un homme, une femme? Fais cette prière. Accorde-moi la grâce de te chercher. Chercher ta face. Accorde-moi la grâce de te chercher. Prie là où tu es. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie.